La Cour pénale internationale a reconnu coupable un chef extrémiste lié à Al-Qaïda de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali. Les procureurs affirment qu'Al-Hassan était un membre clé du régime répressif d'Ansardine, groupe islamique lié à Al-Qaïda qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali entre 2012 et 2013. 1. Crimes un, crime de guerre. 2. Autres actes inhumains contre l'humanité. 3. Les crimes de guerre consistant dans le prononcer de condamnations sans jugement ou arrêt préalable rendus par un tribunal régulièrement constitué et fonctionnant avec les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. 4. Le crime contre l'humanité de persécution pour des motifs religieux. Et 5. Le crime de guerre de mutilation. L'ancien chef extrémiste est accusé pour son rôle présumé dans le règne de la terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel. En 2013, une opération militaire menée par la France a forcé Al-Hassan et d'autres à quitter le pouvoir. Al-Hassan risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure.